Dominique et Nick et Nicolas s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où j'en sentais, où d'Angleterre était le roi, Dominique, notre frère, on va tous les albigeons. Dominique et Nicolas s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que... Ah, c'est pas colère. Ah, ces gamins, je sais pas ce qu'il faudrait leur faire, mais... calme-toi, Pépito, oui, calme-toi. On va dire que c'est pas toi qui fais la lessive, hein. Oh, tu t'en rends pas compte, patron, hein. A priori, c'est pas toi non plus, il y a des machines pour ça. Enfin bon... Hein? C'est quand même pas une raison, non? C'est quand même pas une raison pour la laisser tout faire. Oh! Je suppose que tu parles des garnements qui ont passé la nuit dans la chambre 214 avec leurs parents. Ben bien sûr! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé toute la carafe de chocolat sur la nappe. Toute! Oh, il y a que ça, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent avec les gosses. Oui. Il y a qu'à changer la nappe et puis c'est tout. Oui, ben moi je suis pas prêt d'en avoir, hein. C'est moi qui te le dis, patron. Hein. Oh! Alors, de toute façon, a priori, c'est pas possible. Donc, Babi, tu as le oh, ouais. Elle peut pas les tenir, ces gamins, la grosse aussi. Oh. Il n'est pas grave, ils sont quand même avec lui, là. Oh, là. Bon, alors, qu'est-ce que l'auberge du caramel doit accueillir aujourd'hui, déjà? Ah oui, c'est vrai, monsieur et madame le consul, ils viennent chez nous depuis que l'auberge a été créée il y a environ 30 ans. Et même après que j'ai repris, ils ont continué à venir. Et il paraît même qu'ils se sont rencontrés ici, disons. Jacques et Jean-Pierre, comme tous les premiers mercredis du mois, c'est de là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais oui, il y a toutes ces sœurs de la congrégation de la célébration qui doivent venir aussi. Alors là, j'ai pas compris la démarche de la mère supérieure. Elle avait l'air tellement perdue dans ses propres explications en même temps. Oh, le commissaire Bedet. Qu'est-ce que je l'aime bien, ce commissaire. Ah, il est super sympa. Dès qu'il installe dans la région, il vient chez nous, tout de suite. Mais bon, tout ça, c'est pas avant... Oh, bon, on a le temps, c'est pas avant le début de soirée. Qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Ah oui, il faut que j'aille dire à l'entreprise de peinture de ranger un peu son matériel, parce que là, c'est n'importe quoi, et j'ai peur quand même qu'il se prenne un pot de peinture sur la tête. Hein. Je le sens, je le crains, moi. Charlatan qui m'a dit que l'appareil tiendrait bien encore 15 jours. Voilà que mon appareil auditif s'en met à déconner comme il y a quelques jours. Il n'y a personne ici? Je suis là. Allô? Il y a quelqu'un? Moi, je n'ai pas que ça à faire. Vu l'heure qu'il est, je vais repasser plus tard. Oh. Puis zut, avant de partir, il faudrait que j'aille faire un tour du côté des toilettes. Voyons, c'est tout. Ah! Idiote. Je sais bien que c'est l'auberge du Carmel. Et puis d'ailleurs, vous faire
seriez bien de vous dépêcher de finir de peindre la façade de votre établissement. Parce que, en état, avec l'échafaudage et toutes ces bâches, eh bien, il est bien malin, celui qui arrivera à lire « Auberge du Carmel ». Non, j'essaie de vous le dire, sœur Nagnel. Voilà, pourquoi vous troubler comme ça, mon ami, hein? J'ai passé l'âge de séduire les hommes de votre trempe. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression d'être en danger avec vous. Mesdemoiselles. Je vous ai déjà dit pas mesdemoiselles. Je disais donc, mesdemoiselles, qu'en tant que directeur de l'auberge du Caramel, je suis ravi de vous accueillir dans cet établissement pour votre court séjour. Et alors, tout le personnel et moi-même serons au petit soin pour vous être le plus agréable possible. Vous ne manquez pas d'aplomb, mon ami, mais enfin, passons. Bien, alors, voici sœur Patsy. Si vous avez des problèmes lombaires, c'est le moment ou jamais. Sœur Patsy a fait médecine pendant 5 ans, option kiné. Mais si vous vous avisez de l'ennuyer, elle est capable de vous faire un nœud dans le dos avec vos bras. À bon entendeur, salut. Mais moi, je suis ravie de pouvoir venir me détendre dans votre honorable auberge. Bien, je vous présente sœur Elodéa. Sœur Elodéa a la particularité de chanter sous sa douche. Et pas toujours des chants religieux. C'est là son point faible. Mais bon, sœur Elodéa est jeune. Elle n'est pas encore habituée aux us et coutumes de la congrégation. On va la briefer. Quand elle est gentille avec moi, elle est pleine de compassion. Ne vous inquiétez donc pas si par le plus grand des hasards, vous m'entendez pousser la chansonnette. C'est juste un réflexe que je vais essayer d'abandonner au plus vite. Bien, et voici maintenant sœur Dominga. Mais où êtes-vous, sœur Dominga? Oui, je suis là. Allez, montrez-vous, ce diable. Mais j'ai les pieds dans le pied, je ne peux pas bouger. Oh, mais c'est quand même pas bien grave, alors. Allez, un peu de courage. Allez, allez. Mais allez, vous venir ici. Oh, mais c'est quand même pas possible, là. Allez. Sœur Dominga est en pleine période délicate et sa foi doute. Nous nous en sommes tous rendus compte et nous sommes là pour l'aider à surmonter cette épreuve. Aussi, soyez assez aimables de ne pas en rajouter si vous voyez ce que je veux dire. Bon, y a-t-il des questions? Mais ma mère, je n'ai toujours pas compris. Quoi encore? Sommes-nous à l'auberge du Carmel ou à l'auberge du Caramel? Car j'ai quand même l'impression qu'il y aura un malentendu. Mais oui. Hé! Bonsoir, Elodéa. Comme bien vous qui m'avez aidé à trouver le nom de l'auberge sur Internet. Bon. Et si je ne m'abuse, vous avez bien lu comme moi Auberge du Carmel, non? Oui, ma mère, mais comme je vous l'ai plusieurs fois répété, les liens indiquaient Auberge du Caramel pour la même adresse. Bon, ben, c'est quand même bien la première ligne qui compte sur votre ordinateur, non? Oui, enfin, je vous avais bien dit que je trouvais ça étrange. Bon, patron, c'est quoi ce pins? Moi, depuis tout à l'heure, mais j'essaie de vous le dire. Il va y avoir une apparition, mais... Alors, mes soeurs, nous sommes en vacances, certes, mais nous ne nous dispersons pas. Mesdames les soeurs, vous avez des bagages, je présume? Mais bien sûr, monsieur le directeur. Regardez, elles sont juste là, devant la fenêtre. Et puis, elles sont si légères. Mais oui, mais un maillot de bain, ça ne peut pas se faire pour 2 jours. Oh, pardon. Ah non, je me suis trompée, j'attends notre groupe. Ah, commencez pas à m'énerver, vous, hein. Dans tout ça, nous ne savons toujours pas le nom de l'auberge qui nous accueille. Mais si j'ai choisi l'auberge du Carmel, c'est parce que c'était un nom qui nous était prédestiné. Oui, sauf que ce n'est pas Carmel, mais Caramel. Mon Dieu. Un de ces 4 matins, patron, il va y avoir un mort ou un blessé dans cette auberge, hein. Pourquoi, Pépito, s'il te plaît? Tout à l'heure. Oui. Le gamin qui a renversé le droit de vieux chocolat. Mm-hmm. Il s'est aussi pris les pieds dans l'échafaudage de la façade. Il va se passer quelque chose ici, t'as monté le foutoir, hein. Oh, oui, monsieur de la Pépito, je vous prie de modérer votre langage. Vous avez devant vous des sœurs qui n'ont nul besoin d'entendre vos mots barbares. Mon Dieu. On sait dans quel monde vivons-nous. Oh, pas ça, alors. Allons, Dominga. Ce n'est pas parce que cet homme a été un peu vulgaire qu'il faut vous étonner. Hein? Serait-ce son langage qui vous perturbe? Non, non,
Hermès. Madame la sœur directrice vous invite à venir voir dehors le nom de l'auberge, parce que je vois bien que vous ne me croyez pas. Eh bien, moi, je vais en avoir le cœur net, et je vais de ce pas glisser dehors. Mais attends, je te suis, Elodéa. On va bien aussi. Voilà, mais vous n'avez pas. Auberge des caramels, j'écoute. Oui, bonsoir, bien sûr. Vous m'avez dit une chambre double. Oui, pour 20h30, bien sûr, sans problème, je note. À quel mot, s'il vous plaît? D'accord. Oui, très bien. C'est noté, monsieur. Oui, tout à fait. À tout à l'heure, oui. Bisous, oui. tu peux monter les valises des sœurs dans leur chambre, s'il te plaît. Elles sont toutes au premier étage. Chambre 111, 112, 113, 114. Ah, parce qu'elles ont chacune leur chambre. Et bien sûr, pourquoi? Bah, dis tout, mais ils sont riches à les bêcher, hein. Oui, pourquoi je me mets? Mais va vite faire ton travail. L'échafaudage qui s'est effondré. Qu'est-ce que tu dis? Enfin non, c'est pas exactement l'échafaudage. C'est les pots de peinture qui étaient dessus qui sont tombés sur les bonnes sœurs qui passent. Mais c'est pour pas. C'est pas pour voir, hein, mon Dieu. Pépito, viens vite, notre problème. Jaco, il veut que tu le rejoignes dehors. Oui. Il y a des bonnes sœurs qui ont changé de couleur. Oh, Jaco, enfin les bonnes sœurs. Cher monsieur, oui. En fait, je suis que le représentant de commerce qui fournit Jaco pour son auberge. Mm-hmm. Ah bah, en fait, je suis spécialisé dans la literie et le linge de salle de bain. Je n'ai pas rêvé. Il a traité son interlocuteur de sale gamin. Il a dit le singe, ce sale gamin. C'est étonnant comme accueil. Ah bah, c'est navrant, oui, en effet, mais disons que Jaco, là, il est un petit peu occupé en ce moment, oui. Oui. Un problème de couleur. Ah bah oui, alors il a la salle à laver, oui, ça c'est sûr. Oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah pourquoi pas, oui, si vous voulez. Bah, je sais pas, moi, rappeler du sur pour une petite demi-heure, mais ça devrait être un peu plus calme. Voilà. Oui, je vous en prie, monsieur. Au revoir. Oh, attendez. Et c'est de la part de qui? Ah d'accord, très bien, monsieur l'archevêque. Oui, c'est noté, vous avez dû dormir. Excusez, mais là, je commence à avoir mal au dos, donc je ne tiens plus. Voilà, mais je vous en prie, oui, c'est noté. Au revoir, monsieur l'arc-bouté. Oui, au revoir. Ah, pas du tout. Je préfère. Pardon ? Vous ne savez pas où est le patron de cet hôtel ? Bah, c'est-à-dire que là... Et puis là, ce n'est plus grave. J'ai quelque chose d'urgent à faire en ville. Je vais repasser plus tard. Si vous voulez.
de garder le téléphone, Marcello. Ah ben oui, je me suis dit que je pouvais bien te rendre ce petit service, non? C'est gentil. Oh, mais je t'en prie. Aïe, 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 je vois que t'as encore tes douleurs dans le dos, mais tu devrais faire quelque chose aussi. Ben oui, je sais bien, t'as raison. Enfin, je ferai le rendez-vous chez le kiné. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Puis, enfin, pour au moins 6 mois avant d'avoir un rendez-vous, alors... Oh, ben non. Je te déplace du coup, moi. Ah oui? Et en fait, c'était qui au téléphone? Au téléphone? Là, juste avant. Ah oui, au téléphone, ah oui. Oh. Attends, tu vas rire. C'était un archevêque. Moi, comme une grande folle, je l'ai appelé l'arc-bouté. Rien à voir, hein? Mais non, je sais bien. Mais qui voulait cet archevêque? Oh, oui, il a juste dit qu'il passerait en fin de soirée voir comment on s'éloigne. J'ai compris. Hein? L'archevêque. Oui. C'est directement en lien avec les sœurs de la congrégation qui sont là. Il veut voir si elles sont sages. Ah oui, avec. Mais enfin, pourquoi ça se trouve sage? Enfin, ce sont des bonnes sœurs. Oh, je déconne. Oh. Mais bon, c'est quand même lui qui me fait le chèque à la fin. Il y a intérêt à ce que tout se passe bien. Oh, oui. Et puis, tu crois qu'il va nous dire une messe au beau milieu de l'auberge? Non. Mais non. Mais faut que je remette de l'ordre dans tout ça, moi, maintenant, là. Enfin, pourquoi? En fait, disons, ce que tu viens de voir dehors, oui, c'est horrible. Ah bon? Mais bon, qui est plus rigolo qu'autre chose? Parce que tu trouves ça drôle, toi, des bonnes sœurs de toutes les couleurs. C'est grandiose, dis donc. Il n'y en a pas une de propre. Heureusement, j'avais leurs habits, ça les a un petit peu protégés, mais... Elles sont un petit peu sourire et tout. Oh là là. Oh, bien sûr. Mon Dieu. Toutes leurs fractions vont en mettre à la poubelle. Il n'y a rien, on n'a pas de ça. C'est où, là? Mais je sais pas, il y a la grande boule, là, leur chef. On va s'en battre derrière. Donc ils ont des habits de recherche dans leur valise. Ah mais ça j'en sais rien moi, j'aurais pas demandé moi ça quand même. J'ai quand même eu très peur moi. Mais hein. Ben pourquoi? Je suppose qu'il a eu peur d'un accident grave. Mais oui, il n'y a aucun risque. Mais, et en quel honneur il n'y aura aucun risque? Ben parce que ce sont des bonnes sœurs, voyons. Personne ne comprend là. Non, pas du tout. Mais parce qu'ils sont protégés par lui là-haut. Je crois pas que ça soit vrai moi. Bon, mais dans tout ça, moi, je suis bon à faire marcher l'assurance. Enfin, pourquoi? L'accident n'est pas à cause de toi, mais à cause de l'entreprise de peinture. Comme c'est compliqué, toutes ces choses-là. Hein. Oh, ben comment oui, hein. Marcher, mon Dieu. Et par contre, je me demande comment va être la chef, là. Mon Dieu, déjà qu'elle avait pas l'air commode. Bon, c'est pas tout ça, mais enfin, moi, je passais dans quoi? Et comme j'ai reçu la nouvelle collection de draps de salle de bain, moi, je me suis dit que ça pourrait peut-être... te faire plaisir, moi, Jaco. Oui, c'est gentil, Marcello, mais je suis pas vraiment en état de t'écouter, là. Mais bon. Ah bon? Non, mais vu que c'est toi, vas-y. Oh, c'est gentil. Et moi, je fais quoi? Allez voir l'étage des bonnes heures, moi, j'ai besoin de rien. Et pourquoi ça sera à moi de le faire? Parce que moi, j'attends que ça se calme. Oui, mais ça c'est plutôt patron qui allait, non, quand même. C'est qui le patron? C'est qui l'employé? C'est moi le patron, c'est l'employé, c'est toi. Donc le patron, il dit que c'est l'employé qui va, il se débat, il se dépêche. Oh, mon Dieu. C'est difficile de vivre ici. Oh là là. Te souviens-tu de notre collection d'il y a 5 ans? Collection? Oui, celle où il y avait les cœurs dessus. Oui. Moi aussi, ça n'est pas le plus. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de la mettre au bout du jour. Dis. Oui. Ah, la collection. Ah, 111, là.
Ah non, pas possible. Non, les chambres 111 à 114 sont toutes réservées par des bonnes sœurs. Mais c'est moi la 111. La quoi? Excusez-moi, mais on a un petit peu du mal à vous suivre, la madame. Je suis si différente que ça. Vous préférez en bonne sœur ou habillée comme ça? Hein? Ben c'est moi, sœur Elodéa, j'ai été obligée de me changer puisque mes habits ont pris la peinture. Non. Mais pourquoi? Ah bon? Ben j'ai quoi qui vous convient pas? J'ai peur que nous soyons arrivés
dans l'antre d'une auberge bien peu fréquentable pour des sœurs. C'est alors là, non. Oh non. Oh, mais j'en parle pas mes yeux. Oh, bah alors, remettez-vous, mon petit. Hein? Allez, on se remet en sœur Dominga, là, hein. Bien grave, quand même. Puis nous ne sommes là que deux jours. Enfin bon, je ne voudrais pas que vous soyez traumatisés non plus, hein. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel? On n'est plus en boîte de nuit. J'aurais donné à l'enseigner immédiatement vos inepties. De toute façon, moi, c'est pas celle-là que j'aurais choisi, mais bon, chacun ses goûts. Oh, et vous auriez choisi quoi, alors? Oh, j'aurais plus pris Charles Aznavour, par exemple. Bon, dites donc, vous allez faire quoi pour l'incident, là, hein? Ben, je vais faire des déclarations à l'assurance, moi, mais j'ai quand même une question que personne ne vous a posée. Laquelle? Personne n'est blessé? Les feux de peinture sont tombés à plus de 3 mètres de nous. Heureusement, il n'est fait ni grand ni plein. Oui, mais du vert fluo sur nos ongles, comme qui dirait, ça fait réfléchir. Joli jeu de ma sœur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, mais merde. Oh, rien, c'est un peu. Dis donc, c'est vraiment chez vous, hein? Bon, ben, veuillez m'excuser, mais je dois remonter dans ma chambre. Et elle a encore ses problèmes de vessie qui recommencent. Ah oui, c'est pas beau de vieillir, hein. Moi, je crois que dans les couvents, c'était plutôt strict et très sévère. J'avais pas du tout vu la situation de ce point de vue-là. Bah, normal, les jeunes ont plus de pouvoir. Oui, et avec des recrues comme Elodéa, c'est vrai que ça déménage dans le couvent. Dis donc, Dominga, pourquoi te caches-tu à chaque fois que tu vois apparaître le gâteau au chocolat? De qui me parles-tu? Mais si, le Al Pepito, comme dans la pub. Ah, mais tu vas pas en croire tes yeux, ma belle. Je vais peut-être vous laisser entre vous. Hein. Oui, ce serait bien. Mais attends, avant de tout t'expliquer, je vais te montrer quelque chose. J'ai une idée. Mais dis-moi vite. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose que j'ai toujours gardé près de moi et que j'ai dans ma valise. Ça alors?
franchement, c'est quoi cette tenue? Oui, enfin bon, hé, ça me passe de belle avec toi aussi, mon bon Marcello, hein. Mais comment oui. ça? Tout à l'heure, dans l'escalier. Oui. Oui, ben moi je dis qu'on ne peut pas parler correctement des choses qu'on ne connaît pas bien.
Et donc, avec Jean-Pierre? Tu ne vas pas me croire. Bah, dis toujours. Il ressemble étrangement à ce pécrito-là qui est dans le restaurant. Non. Si. Mais tu vois bien, ça ne peut pas être le même. Bah oui, tu as raison, je me trompe. Mais c'est son sosie. Tu l'avais connu où? Bah, à Arcachon, dans mon collège. Tout près d'Ambernos-les-Bains, où j'habitais. Bah ça alors, ce serait quand même extraordinaire. Hein. Ah oui, alors. Bon, il faut que je remonte dans ma chambre. J'ai oublié de prendre mon médicament pour le cholestérol. Hey, you, don't make it bad. Take it fast, don't make it bad. Vous avez un joli brin de voix, mademoiselle, dites donc. Oui, merci, mais je chantonnais juste comme ça. Oui, ah bon, c'est quand même bien plus joli que des cantiques, non hein? Oui, enfin, les deux ne sont pas incompatibles non plus, vous savez. Si vous le dites, si vous le dites, si vous le dites. Dites-le, mon ami. Oui. Pour vous, madame. Cela fait longtemps que vous êtes dans cet hôtel? Oh, depuis la création de la société, il y a quelques années de cela seulement, oui. Vous n'étiez donc pas ici auparavant? Ah non, non. Moi je suis plutôt d'Aquitaine d'origine. Ah, oui, enfin, je connais un peu l'Aquitaine, vous êtes de la région bordelaise? Non, presque, je suis d'Arcachon, j'ai vécu toute chose en bordelaise. Rien que d'en parler, ça me... C'est la voix qui chante. Vous êtes allé à l'école d'Arcachon, donc. Oui, jusqu'au collège, j'ai passé une enfance merveilleuse. Oui. Et sans indiscrétion, oui. Puisque nous sommes entre nous, oui. Vous avez toujours été comme ça, enfin je veux dire, vous voyez quoi Ah, vous voulez dire comme ça? Mais oui. Ou comme ça aussi. Non, 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 c'est un choc dans ma vie qui m'a rendu comme ça. En fait, j'étais très amoureuse d'une très jolie jeune fille, et puis un jour, elle m'a quitté pour... Pour un autre? Non, 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 pour entrer dans les arbres. Oh. C'est mal fait. Comment? Mais, Pépito, c'est votre vrai nom ou votre prénom? Ah ben non. Non, non, vu ma situation, mon vrai prénom, ça ne connaît pas, non. Ah, non, non. Ah ben, vous imaginez quelqu'un dans moi qui s'appellerait Jean-Pierre, vous? En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Mais tu sais, oui. La famille, mon vieux, c'est sacré.
T'as des soucis de famille? Je vois mon frangibus. Mais je savais pas que t'avais un frère. Ah, mais t'es bon, tu sais pas tout. C'est quoi ton frangin? Ah, m'arrache pas le cœur, s'il te plaît. Pourquoi? Il fait pas un métier avouable? Par rapport à moi, il a très mal tourné. Il est tout juste fréquentable. Non, mais t'as rendez-vous avec lui aujourd'hui? Pas rendez-vous, non. Il faut que je voie absolument. D'accord, mais je peux faire quelque chose pour toi? Ah oui. Mais quoi? Je sais qu'il doit passer dans ton auberge aujourd'hui, là. T'as bien un rendez-vous professionnel. Oui, alors? Alors, dès que tu le vois, tu me préviens sur mon portable. Oui, bon, d'accord, mais comment je fais pour le reconnaître, moi? Bon, c'est très simple, tu ne peux pas te tromper. Ou alors c'est que t'es très con. Ah, mais je te remercie, mais c'est pas ce qui va vraiment beaucoup m'aider, hein. Bon, tu verras, tu ne peux pas te jouer. Alors, tu payes ce café? Oui, je vais demander à la cuisine qu'on nous l'apporte. Et vite, hein, parce que déjà, il faut que je me lève de bonne heure. Ah, mais personne t'oblige à venir à l'auberge à 7h du matin. Hein. Si, mon frère. Est-ce que c'est un resto lui aussi? Bon, ben là, son métier, ils n'ont pas d'heure. Ah, mon portable. Allô? Oui. Bouge pas, j'arrive de suite, là. Il y a un problème, Ludwig? Ah, mais une urgence, là. Je reviens dans 2 minutes, là. Hein. Je vais juste à la voiture. C'est pas la peine que je commande le café, alors. Qu'est-ce que tu as tenu? Oui, oui. Tu trouves que ça va bien? Comment dire Alors c'est pas plus voyant qu'en rose, mais pas moi non plus. J'hésite. Pépito? Oui. Est-ce que tu peux te dépêcher à prendre ton service? Parce que t'es hyper à la bourre. Je sais. Mais je suis encore tombé sur le radar de la police. Tu t'es encore pris une prune? Non, j'ai la chance avec l'adjudant-chef Pascal cette fois. Il t'a encore laissé partir cette fois-ci? Oui. L'adjudant-chef Pascal est gentil avec moi. Ils ont juste pitié de toi, c'est tout. Hein. L'adjudant-chef Pascal fait toujours des gros jus. À la prochaine fois, j'irai droit. Attention. Je vois bien qu'il n'y a pas que des cons dans la police. Il y a aussi des sympas, la preuve. Oui, j'aime bien Pascal. Elle est sympa. Et là, puis il ne me fait pas du tout peur. Hein. Ah non, 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 c'est un mec très bien. Ah oui. Parce que c'est pas une femme flic. Mais non, tu parles. Une femme flic. Elle cherche Pascal. Non, 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 pas du tout, non. Dis-moi, Pépito, tu as l'air de connaître un petit peu du monde dans la police. Oui. Il se trouve que j'ai peut-être deux ou trois PV qui traînent. Tu peux peut-être m'en rendre compte. Je suis quand même pas dérangé parce qu'elle est toujours des petites affaires comme ça, enfin. Oh, il faudrait que je pense à l'inviter à prendre l'apéro à la maison de ce soir, d'ailleurs. Ah, ben quand même. Ah, ben oui, parce que... Oh. Si je dérange, faut me le dire. Ah, non, pas du tout, madame, je ne dérange pas. Non, mais vous êtes dur de la feuille, vous, hein. Je vous ai déjà dit de ne pas nous appeler madame ou mademoiselle, mais ma sœur. Oui, oui, bien, madame, oui, oui. Ma madame, ma sœur, ma sœur. On n'y arrivera pas, en tout cas pas assez vite, Seigneur. Oui, à quoi? Oui. Tu peux pas te dépêcher de prendre ton poste? Oh! Reste pas planté là, dépêche-toi! Mais dans quel monde vivons-nous, hein? Oh! C'est quand même un peu bizarre, votre employé, hein. Ben, il prend toujours Dieu à témoin. Mais Dieu aime tout le monde, enfin, je crois. Est-ce que vous en êtes pas sûr? Bon, au lieu de raconter des conneries, je vous informe que nos sœurs vont descendre incessamment sous peu pour une petite réunion de débriefing. Hein? Alors, seriez-vous aimable de nous apporter un chocolat chaud à toutes? Bien sûr, bien sûr. Vos ordres sont des désirs, maîtresse. Mais vous êtes quand même de drôles d'énergumènes dans cette auberge, hein? Ah, Jaco! Oh, Marcelo! Mais... Bonjour! Ah si, tu sais, hein, une fois que tu es passé entre les mains de ma pâte citronnette, crois-moi, change la vie. Hein. Vous venez pas être sympathique là, non? Bah, ouais, hein, quoi? Non? Non, vous avez rêvé. Oh, bah, j'ai cru entendre prononcer son nom. Oh, ben bah, non! Un Jaco, je parlais pas de sa sœur. Non, pas du tout. J'ai cru entendre parler de. Pas de scie à roulette.
Oh, bah non, non, non. Ah non, vous avez dû confondre, en fait. Non, en fait, je parlais d'un autre... Patrick Istou Yannilek, voilà. C'est quoi, c'est-à-dire que c'est... parce qu'en fait, voilà, pour tout vous dire, Marcelo, il est représentant en linge d'hôtel. Et puis, c'est un petit peu, en fait, un terme technique. Ah, en plus, on était dans la Louise. Dans la Louise. Mais non, dans la Louise. Merci pour le coup de main. Tu m'as toujours pas dit pourquoi t'étais revenu. Ben, moi, je reprendrais bien une deuxième séance de kiné, hein. Non, je sais pas. Mais quand même. Parfois, t'as qu'à essayer. Tu vas voir! Est-ce que c'est une expert? Mais non, bien pire que ça! Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas pratiqué! Hein. Oh mon dieu, t'as raté! Mais non, pas du tout, contraire! C'était du tonnerre! Ça se voit que le contact lui a manqué, la donzelle! Hein. Marcelo, mais quand même! Mais tu vas quand même pas virer ta cutie! Oh, ben, après une expérience comme celle-là, franchement! Ben, j'hésite, hein! Pour le paiement, comment tu fais? Ah ben, c'est un peu pour ça que je suis revenu. Oui. Je peux quand même pas proposer un paiement en liquide. Ah non! Oh, bonjour madame, bonjour monsieur. Monsieur le directeur, monsieur Marcelo. Sympathie, mes respects du matin. Et comme vous êtes élégant ce bon matin, bon, et comment vous prenez ouvert cette belle matinée ensoleillée? Franchement, à merveille. Elle n'attend que de seule chose. Le deuxième effet qui se coule, hein. Ah, en réalité, j'étais très inquiète car j'ai essayé une nouvelle technique. Ah. On a le droit dans les couvents maintenant? Lorsque j'étais en école de kiné, oui, j'avais inventé une nouvelle technique. Mais mes professeurs, franchement trouillards, me l'avaient fortement déconseillé pour l'intégrité physique de mes patients. Vous avez failli m'assassiner? Non, je savais bien que je vis sous la protection divine. Ah ben vous, oui, mais pas moi. En attendant, j'ai bien vu tous les bienfaits de ma méthode sur votre corps. Ça? Ah, pour faire de l'effet? Ça vous fait d'effet, hein? Vous savez, je suis sœur et pas moins humaine, hein? Mais tout ça grâce à des petites pilules de couleur bleue chez les hommes. Mais dis donc, ma sœur! Jaco! Ah, on est plus au Moyen-Âge, et tant que même nous y serions. Hein? Oh, silence, enfin! J'arrive pas à me concentrer sur ma lecture! Enfin bref, ma méthode se déroule en 5 séances. On y va tout de suite pour la deuxième? Ah non, je peux pas, j'ai un débrief à faire avec ma mère supérieure avant. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais tant réussir ma vie et être aimée. Hé, Dilodéa, tu vois bien que mes mères est en pleine concentration. Mais là, mais dis donc, le monde des couvents a drôlement changé depuis mon enfance, hein. Bon, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Oh ben moi, franchement, ça me dit rien, hein. Les vacances, c'est les vacances. Allez, Dorian, on va mettre l'ambiance, allez! Bah, il aimait Lambert alors! Mais c'est qu'il a aimé le bougre! Ouais! Bon, allez, messieurs! Nous avons une réunion à faire et plus vite elle sera faite, plus vite nous serons libres! Allez, c'est pas grave, c'est libre! Ça se trouve, il n'y a même pas de piscine dans son auberge! Ouais, bon, ben moi je repasserai dans la soirée, hein, si les Lambert me font toujours aussi mal! Non. J'arrive. Alors, mon petit Jaco, tu laisses les clients seuls à l'entrée? Mais non, Ludwig, tu sais bien que je suis jamais un homme en accueil. Quel drôle de métier tu fais, mon Jaco. Hein? Toujours à la solde d'une hypothétique clientèle, trop tu prends les chèques en bois. Oups, mes sœurs, nous avons un énorme problème. Surtout, ne vous retournez pas en direction du comptoir. Il y a notre archevêque, le père Raphaël, qui est là. Si jamais il nous aperçoit dans la tenue que nous portons, nous sommes foutus. Merde. Ça doit être vrai. Il ressemble à la photo qui est sur le bureau de la mère supérieure. Nom d'un chien, et si jamais il nous voit comme ça? Oh, c'est dingue comme on dirait que c'est lui. Bah, ce que je vois, il n'est pas vu à dire que nous voit. Oui, bah, si ça se trouve, lui aussi, il s'est pris un saut de peinture sur la tête. Il faut se changer. Mais ceci dit, c'est lui et c'est notre chef. En plus, c'est lui qui fait le chef. J'aurais pu trouver autre chose comme fringue. Je trouve que ça fait brigand grandement son costume. Oh, le pauvre homme. Le voilà rabaissé au coma des mortels. Surtout que personne ne bouge. Et pourquoi ça veut nous cacher? T'as vraiment envie que Monseigneur l'archevêque nous voit bien comme ça? Oh non. Oh ben comme tu dis, notre tenue devrait choquer. C'est bon, Jaco. Je
très un pour lui, quoi donc. Eh bien... Ah, c'est encore ce bouton portable. Ah. Bon, en attendant, je change de pièce car je ne peux rien capter ici. Et j'ai un compte à régler avec l'un de mes paroissiens. Et je peux te dire qu'il va pas l'emporter au paradis, son flouze, là. Oh, ma combat, tout le monde est de mes Ah ben, décidément, on a du mal à t'aider chez toi, là. Et j'ai encore raté mon appel. Et c'est grave? Ben, rien n'est jamais grave. Mais je vais le secouer, ce petit enfouré qui essaie de me flouser, là. Hein? Tiens, elles sont barrées, les minettes qui étaient là. Il y en a une qui était pas mal dans le lot. Ah oui, alors c'est-à-dire que... Ratatata, je sais que c'est pas ton trip, là. Mais... Si elle me disait oui, hein, je ne lui dirais pas non. Oui, mais ça ne va pas être facile parce qu'en fait... Mais, laisse-moi faire avec toi. Tu n'y connais rien. Oui, mais sauf que moi, je me permets d'insister parce que... T'énerve pas. Oh hein, je voulais te dire. Oui, ce n'est pas quelque chose d'important à me dire, en fait. Laisse-lui parler, après tu comprends. Je t'écoute. Mon Dieu. Ah, c'est abonnant, hein, ces ouvriers du bâtiment, vous devez leur faire, hein. Voilà qu'ils trouvent qu'il fait chaud, maintenant. Elle est un petit peu fatiguée en ce moment. Ah ben oui, forcément. Dis-moi, c'était quoi cette révélation? Bon, je t'ai dit que mon frère jumeau allait venir ici et que je vais le voir absolument. Mais oui, tu m'as dit que tu avais un frère. Tu m'as pas dit que tu as un frère jumeau. Je comprends maintenant. Tout à l'heure, tu m'as dit que je le reconnaîtrais facilement, j'ai compris. Oui, c'est vrai, mais nous avons les soucis de quoi? Ah, il est la risée de tout le monde, là. De toute la famille. Ah, mais j'ai peur, hein. J'ai peur, tu m'as dit qu'il avait mal tourné. Oh, déjà que toi, t'es un petit peu brigand sur les bords, alors... Mais bon, je ne suis obligé de te le dire, là. Oui. Mais surtout, il ne chargera rien. Ah non, c'est promis. Bah, il est devenu curé. Il y a pire que lui. Mais il a pris du grade, ce con. Oui. Il est venu archevêque. T'imagines le tableau, toi? Ah, ben, Anna, j'ai du mal à imaginer un gars comme toi habillé en cardinal. Cardinal, archevêque. Oui, bah, c'est pareil. Ah non. Bon, cette fois-ci, je sors carrément, hein, pour répondre. De toute façon, t'as mon numéro de téléphone. Oui. Alors, dès que tu vois le frangibus débarquer, tu me phones. Oh, Ludwig, j'ai compris. Yes. Ludwig, un archevêque. J'aurais tout vu dans ma pauvre vie, moi. Et dites, monsieur Jacques, oui. Puisque je vois que tout le monde est parti, je voulais vous demander... Oui, je vous écoute, sœur... Crotte... je sais plus, sœur... Sœur Domingham, oui. Je voudrais vous poser une ou deux questions au sujet de votre collaborateur. Oui, très bien, lequel? Comment ça, laquelle? Oh, mais j'ai pas dit laquelle, j'ai dit lequel tout de même. Oh, pardonnez-moi. Oh, mais vous avez quand même des drôles de fantasmes, vous, hein? Oh, ben le mot me semble tout à fait exagéré, hein. D'autant plus que... enfin, non. Oui, j'ai bien compris votre sous-entendu, hein. Bon, de qui voulez-vous me parler? Je crois que son nom, c'est Pépitou. Vous savez, celui qui était tout en rose hier et qui est tout en bleu ce matin. Oui, Pépitou, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a longtemps qu'il est à votre service. Ah, on va aller lui demander en personne, vous inquiétez pas. Non, pas ça. Oh, mais ça va pas, vous. Si, ça va très bien, merci. Pépitou, Pépitou, vite, mon canard. Pourquoi tu fais comme ça pour les clientes? Madame, elle veut savoir depuis combien de temps tu es à mon service. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont curieuses, ces gonzesses. Gonzesses, et dites donc, vous n'auriez pas un autre mot à la bouche, vous parlez-vous par hasard? Non, en même temps, vu la question dont vous êtes... Oh, ben c'est de votre faute aussi, si vous s'entraguez comme ça, quand même. Oui, moi j'aurais jamais cru qu'elles avaient ça dans leur valise. Hein. Imagine si on avait été au bord de la mer, ça aurait été le string et les seins nus. Dès que
les sœurs Domingue. Et pas pareil. Mais parce que vous êtes croyants. Ben pas spécialement, vous, quand vous dites ça. Mais si, t'arrêtes pas de dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pas raison, je vous prie. Et puis mon Dieu. Bon, un peu pour la sœur. Dites, bien longtemps vous êtes dans cette boutique. Enfin, je sais pas, moi, mais je veux dire ici. Je sais pas, moi, il y a quoi, il y a 5, 6, 7, 8 ans peut-être. Ah, mais vous êtes de la région alors. Mais il y a déjà votre collaboratrice là qui m'a posé toutes ces questions, la madame l'inspectrice. Collaboratrice? Ben oui, celle qui est tout le temps en train de péter les plombs et de chantonner là. Ah oui. Oh, il lui arrive de murmurer des paroles. Murmurer? Vous rigolez, non? Ce matin, dans les couloirs, il était en train de chanter à tue-tête une chanson d'Alain Bachoum. Osez, osez, Joséphine. En plus, elle imitait les instruments de musique. Tchikou, tchikou. Oh, j'ai oublié. Oui. J'ai un ordre important à donner dans les étages. Je vous abandonne. Bon, mais pourquoi vous me questionnez comme ça? Mais dites-moi vraiment d'où vous venez, Pépito. Bon, c'est promis, mais vous ne le répéterez pas, hein? Alors, en fait, je viens d'Aquitaine, et plus précisément d'Arcachon. Ah, j'ai dit. Quoi? Mais tu n'as même pas écrit sur mon front, non? Mais comme moi. Ah, pas aussi écrit sur votre front? Mais non. Mais moi aussi, je viens de la région d'Aquitaine, en Gaillon-Sévin, tout près d'Arcachon. Ah, comme c'est marrant, ça. Jean-Pierre. Oh, mais je reconnais cette voix. Justine. Mais oui, c'est moi, ta Justine d'amour du collège. Ma Justine que je venais retrouver le soir dans le noir, sous le préau. Mais oui, c'est ta Justine que tu poissais dans le noir. Alors ça, nom de Dieu. Là. Oh, mais tu sais, j'ai été tellement déçu que tu... Mais je t'ai pas quitté. C'est toi qui es parti avec une autre. Mais non, c'est toi qui es parti pour entrer dans un couvent ou... Mais non. C'est toi et la grosse Huguette. Vous n'arrêtiez pas de me narguer. Mais Huguette n'a jamais été ma copine. C'était la fille de mon beau-père, Huguette. Oh, mais qu'est-ce qu'elle était moche, la grosse Huguette. Mais de là devenir flirtueux. Je suis déçue. Toi qui avais un talent de cinéma, pas possible. Tout le monde croyait les pires bêtises que tu racontais, tellement tu les racontais bien. Ouais, je sais. Je sais pas penser. C'est beaucoup trop compliqué à t'expliquer. Bon, et toi alors, hein? Tu es toujours religieuse, non? Bah oui. Bah oui. Moi aussi, c'est compliqué. Je peux pas tout dire non plus, hein. Ouais. Bah au moins, on a trouvé un point commun. Non? Hein? Qu'est-ce que je t'ai aimé à cette époque? Oh, mon Dieu. C'est dingue de vivre comme ça, la vie est mal foutue, hein. Oui, mais mon Jean-Pierre, oui. Il faut que je te laisse. Oui, non, pas. Oh, le surchauffe, les larmes montent aux yeux. Oh non, c'est trop dur. Oh non, écoute, oui. J'ai remonté dans la chambre, je vais respirer un grand coup, je vais réfléchir et je vais revenir. Oh. Religieuse, ça faisait de chasteté. Non, ma mère de famille, mes mères supérieures de la congrégation.
excusez-moi, madame, si je m'ai gouré. Hein. Non, rien. Madame, si vous... Mais quand je pense que monsieur Marcello se tape des religieux... Oh, mais... Je vais vous dire qu'il y a du goût du monde, le cochon. Hein. Je me suis clair demandé. Ouh, ça doit être à cause de sœur Patsy. Mais pourquoi vous dites ça? Elle a dû lui décoincer quelque chose de pas normal. Vous pensez que les lombaires, ça peut agir sur la gourmandise? Ça doit agir sur le besoin de la chair. Oui, ben là, il en était au dessert. Que vous dites, mon frère? T'es quand même pas obligé de l'imiter, non? Ben d'habitude, c'est moi qui dis mon Dieu. Oui, on va ça, je sais, on est pas en sous. Bon, ben alors pourquoi vous militez? Je sais pas. Imiter. Ben si. Mais non. Ben si. Mais non. Ben si. Si. Ben si. Si. Mais non. Mais si. Si. Mais non. Vous avez dit. Voilà quelle mauvaise foi. Ce chocolat étalé sur la table du chef, là. Oui, bah, je vous remercie, mais épargnez-moi les détails. Hein. Oh, ça rend goût. Hein? Et qui va faire ménage? Je pense que je vais devoir remettre des pendules à l'heure. Je ne veux aucun nom. Oh, mais je vous rassure, Marcello était tout seul. Hein. J'ai pas besoin de lui donner un coup de main. Hein. Ouais, on vient plus que ça. C'est assez grand pour s'enfiler des religieuses tout seul. Hein. Ah, on a compris, hein. Oui, mais le cuisinier, quand il va savoir ça? Oh là là. Bah, je vois pas l'intérêt de venir au cuisinier. Mais c'est pas clair tout ça. Ah, oui. Vous n'auriez pas à retrouver mon briquet? Oh, Marcello! Oui. Enfin, c'est... Mais t'as encore du chocolat autour de la bouche. Qu'est-ce que ça aurait
En fait, ils ont un drôle de nom. On les appelle des pénins en boulangerie. Aller la mettre dans la boîte aux lettres, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre l'adresse destinataire.
Malheureusement, je ne retrouve plus mon stylo. Auriez-vous la gentillesse de m'en prêter un? Oui, ah, j'ai un stylo. Voilà, je vous en prie. Ah, c'est payant? Non, pourquoi vous me demandez ça? Bah, ne m'avez-vous pas parlé de prix? Non, j'ai dit je vous en prie. Ah, bah, il n'y a pas de mal. C'est mon appareil qui déconne ou bien elle a dit elle est pas mal? J'espère qu'elle va pas s'éterniser trop longtemps ici, celle-là, parce qu'elle me paraît vraiment bizarre. Hein. Je vous remercie, mademoiselle. Ah non, c'est ma sœur. Et ma sœur, eh ben le beurre. Ah bah il s'emmerde pas. J'étais de pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Ah ben on n'est pas prêt de changer toi du coup hein. Tu veux pas dire que tu étais là? Mais non, c'est plutôt drôle. Peut-être, mais moi dans tout ça j'ai l'air complètement ridicule. Ah, c'est un peu la ridicule je crois. Mais pourquoi tu dis ça? Va bien voir ce que Jaco note comme appréciation sur son carnet de bord. Ah, l'enfoiré! Franchement, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'on a un troupeau de vieilles bigotes? Et, heureusement que tu nous as prévenu que le père Rachel avait un cachot, hein. Je t'avoue que moi aussi j'étais tombée dans le panneau. Il paraît qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Apparemment, ça a la grande beauté dans le cou les différencie vraiment. Ouais, mais c'est la mère super. Oui, on n'est quand même pas doués. Hein. On aurait dû se douter que c'était pas le archevêque, vu comment il était fringué. Oui, mais regarde, nous aussi on est fringués comme de je sais pas trop quoi. Et puis il aurait très bien pu se prendre un peu de peinture. De toute façon, on craint plus rien maintenant qu'on sait la vérité. Et puis, je ne vois pas ce que Monseigneur l'archevêque viendrait faire ici dans une auberge très olé olé. Ouais, tu as raison, on avait imaginé n'importe quoi. Ouais, mais si la mère supérieure ne se serait pas posée de questions, eh ben nous non plus. Heureusement que l'archevêque ne nous voit pas dans cette tenue. T'imagines la tronche qu'il ferait? Tu sais, j'aimerais bien avoir une caméra pour filmer ça. Et drôle, les filles. Vous faites quoi? Ben, moi, je vais remonter dans ma chambre parce que j'ai écrasé mon tube de dentifrice dans ma valise et j'en ai mis partout. Et il parlait à Pépito. Oh, m'en parle pas, il m'a demandé de faire le poireau derrière le comptoir. Bonjour, mesdames. Bonjour, ah, bonjour, monsieur. Vous êtes les propriétaires de l'établissement, peut-être? Non, mais on peut vous aider, peut-être. J'avais prévenu de mon arrivée. Oui, bah alors c'est compliqué, parce que le directeur a eu un rendez-vous d'urgence au fils, et son remplaçant m'a demandé de tenir le tiroir-caisse. Ah, dans ce cas, vous ne pouvez pas m'indiquer. Eh ben, voilà mon pépère. Ça marche pas, ton truc. Tu crois que je ne t'ai pas reconnu, Al Capone? Qu'est-ce qui t'arrive, Dominga? Bah, tu n'as pas reconnu Al Capone, Patsy? Il s'est changé. Mais il a oublié son flingue, le gros. Ah, mais oui. Al Capone essaie de nous la jouer comme tout à l'heure, hein? Mort de rire. Non, pas toi, mes yeux. Ah, puis insiste, la petite. Et puis, tu lui as fait mal avec ton grand coup dans le dos. Hein, il va pleurer, le pauvre. Mais c'est pas grave, parce que Patsy, elle va faire des massages de reconstruction. Les mêmes qu'Al Capone. Les mêmes? Mais Marcelo ne s'en est pas remis. Vous pourriez m'indiquer les toilettes, mesdames? Ben oui, les toilettes sont juste là, derrière la porte. Allez, ça marche. On a bien eu la petite, il avait fait le temps, c'est présenté à l'idée. Oh, heureusement qu'il ne nous attend pas. Alors voilà. Heureusement que la poste était presque en face. Décidément, il n'y a jamais personne. Y a quelqu'un? Ah, voilà que mon appareil se remet à faire des sièges. Je ne veux encore comprendre la moitié de ce qu'on me dit ici. Bonjour, madame. Ah, rebonjour, monsieur, dame. Vous ne savez pas où est le directeur de l'auberge du Carmel? Ouh, j'en sais rien, puis c'est beaucoup trop compliqué, hein. Ça. Ah, oh, je ne comprends pas. Ah, ça y est, le son est revenu. Vous êtes sûr d'aller comme il faut, vous? Elles sont parties, les deux dames qui étaient là. Attendez, ici c'est rempli de comtesses, hein? Alors si vous dites pas lesquelles, bon. Cette dame est fréquentée par des femmes? Ah, c'est un bon point pour vous. Ah, je ne sais pas si c'est un bon point, hein. Mais je me présente, Père Raphaël, archevêque et responsable de la
congrégation des sœurs qui séjournent ici. Oui, oui. Moi, je suis pas de 4, oui. Oh, n'importe quoi, non, mais quand j'entends ça, bon, c'est bon, moi, je me tire. Hein. Me présente donc à mon tour, Madame Pignouille. Je suis directrice de communication au lycée Le Lièvre de Saint-Joannès. C'est au cœur de la Aquitaine profonde. Vous connaissez ? C'est pas très loin de la ville de Rochefort, dans le département de la Charente-Maritime. C'est un lycée très local qui n'est fréquenté que par des jeunes filles de très bonne famille, huppées de toute la France. Nous assurons à ces jeunes filles une éducation extrêmement stricte et religieuse, hors de toute tentation. Ah, c'est bon d'entendre qu'il existe une éducation saine et droite. C'est vrai que bon, je ne connais pas bien cette auberge-là. Et effectivement, Mère Nathalène m'a pris au téléphone le plus grand bien de cet établissement. Et bien, selon elle, correspond tout à fait à ce qu'on a en droit d'attendre d'un établissement qui est bien fréquenté. Ah! Vous croyez qu'il y a ici des gens très planqués? Ah bon? Ah! Ça va mieux. Donc je disais, je suis en train de chercher un établissement susceptible d'accueillir 12 de nos jeunes filles lors d'une étape d'un séjour culturel dans la région. Ah oui, donc, et moi je dois rencontrer les sœurs de ma congrégation. Ah, saloperie d'appareil, j'ai mon truc qui déconne. Je comprends tout de travers. Mais moi non plus, je comprends plus rien. J'ai des soucis d'appareil auditif. C'est pour ça que je n'ai pas tout suivi ce que vous venez de dire. Je crois que c'est aussi bien pour vous. Ah, vous croyez ? Remarquez, pour un cardinal, c'est mieux de croire, non ? Ah, je n'aime pas vraiment l'esprit à la plaisanterie. Hein. Dites-moi, pour un cardinal, vous êtes drôlement habillé ? C'est-à-dire que j'ai eu un petit ennui mécanique sur la route. Ah, saloperie d'appareil. Hein ? Vous avez cassé la croûte ? Ça va pas être facile de vous expliquer que j'ai mis plein d'huile sur mon habit si vous êtes sourde. C'est pas la peine de crier, je ne suis pas sourde. C'est quoi mon huile? Mon Dieu, qu'on fait de journée, hein? Monsieur, dame, oui, vous faites votre pain? Pardon? Vous avez fait une fournée, si j'ai bien entendu. Une molle fournée. Oui, je crois que cette dame est un peu dure de la feuille. Mon Dieu. Oh, comme le monde est imparfait, n'est-ce pas? Non, je suis l'employé, moi, j'ai beaucoup à faire, voyez-vous. Hein? Donc vous ne savez pas où est le patron? Ouh, j'en sais rien, il est peut-être en garde à vue au fils, je ne sais pas si on me reverra. Oh, bah, il y a des rats! Mais c'est pas vrai! Je suis ça! Venez que je vous explique. Oui, oui. Madame, on va passer des jeunes filles de bonne famille de son lycée dans votre établissement. Ah oui? Le temps d'une soirée. D'accord. Elles se renseignent auparavant. Alors, rassurez-vous, madame! Les filles ici ne craignent absolument rien. Les filles ici ne craignent absolument rien. Ah, j'ai mon truc qui déconne, je ne comprends pas. J'en perds mon latin. Ah, ça y est. Vous serez tous sous le zizi. Le c'est pas du tout le moment. Allez. Finalement, je vois qu'il y a beaucoup d'ambiance ici. C'est, comment dirais-je, très gai. Je me permets vraiment d'oublier. Ça y est, le son est revenu. Vous avez dit le pied? Bon, vous avez raison, hein, je n'ai peut-être pas tout à fait le mot juste. Alors disons, auberge joyeuse. Voilà. Ah, ça va mieux. Vous croyez vraiment que mes jeunes filles sont en sécurité ici, mon père? Ah bon, parce que je suis votre père. Monsieur le maire,
Ah non, pas vrai, je vais. Et vous faites souvent des messes ici? Oh, je sens que la journée va pas être. Vous ne trouvez pas que ce garçon a un humeur bizarre? Oh, si. Là, je suis déjà venue plusieurs fois, il n'y avait personne pour accueillir le client. C'est vrai que je rencontre le patron quand même. Bah, visiblement, il ne sera pas de retour tout de suite. Et moi aussi, ça m'ennuie. Ça fait longtemps que vous attendez, vous? C'est un peu compliqué à expliquer. Hein. Moi, je suis déjà venue plusieurs fois, il n'y a jamais personne. Ouais, le personnel est peut-être occupé à autre chose. Ah! Vous croyez qu'ils étaient en train de couper leur dose? Non, je disais que... Ah, c'est très embêtant, ça. Je sais qu'il faut être à la page, mais de là à couper sa drogue... Comment avez-vous trouvé cette auberge? Bah, assez facilement, j'ai mis le GPS. Je disais, qui vous a recommandé cette auberge? Ah! Cet hôtel est construit sur des berges. Laissez tomber, c'est pas grave. Oui, mais... Des fois, ce sont les aigus que j'ai du mal à capter. Ah oui, vous êtes mariée. Oui, oui, j'aime bien parier. D'ailleurs, il va falloir que j'aille vérifier quelque chose après. Ça ne doit pas être facile pour vous tous les jours. Hein. D'une manière générale, je suis plutôt contre ceux qui sont pour. Moi, je vis un vrai dialogue de sourds. Maintenant, on ne parle plus de sourds, mais de malentendants. Soyez assis, Bab, d'être respectueux envers les gens qui se donnent beaucoup de mal pour vous comprendre. Ben, celle-là, c'est la meilleure. Non, je ne suis pas meilleure. Mais c'est le monde à l'envers. Vous comprenez quand ça vous arrange, vous? Ah, un moment de bonheur. Mon appareil fonctionne au top de nouveau. Je vais en profiter parce qu'il se pourrait bien que ça ne dure pas. Et pour vous répondre, non, je n'entends pas quand ça m'arrange, mais surtout quand mon appareil fonctionne. C'est très déstabilisant. Bon, vous n'êtes pas très catholique, vous. Je ne pense pas que ce soit le meilleur terme, mais bon, je vous pardonne. Mais non, vous n'êtes pas à faune, non, non. Et dans tout ça, on nous a parlé d'une sœur Elodia que je n'ai même pas aperçue. Pas. Il n'y a jamais personne. Comment voulez-vous que je sache si l'autre est là? Ouais, quand un sœur Bradley se disait plus content qu'il n'est pas prêt de revenir. Ce n'est pas grave. J'ai deux ou trois petites choses à vérifier dans cette ville. Je vais repasser d'ici un moment. Drôle d'auberge, tout de même. Bon, je sais que je n'ai pas l'air d'un archevêque habillé ainsi, mais tout de même. Et puis, j'aurais bien rencontré les sœurs de la congrégation. À part sœur Madeleine que j'ai vue qu'une fois, dont je ne me souviens même plus, je n'ai jamais vu les sœurs de la congrégation. Bon, je suppose qu'elles sont en ce moment en réunion ou en prière. Vous êtes toujours là, monsieur? Oui, en réalité, j'ai dû patienter qu'une charmante dame. Monsieur fait du charme aux dames. C'est un Mais je n'ai pas insensible au charme aux dames. Enfin, c'est... Je vois que vous vous tenez le dos, vous avez des douleurs lombaires? Oh, madame, à charge de l'observation, est-ce que je vois? J'ai juste fait kiné. Ah bien, et vous exercez dans cette ville? Ah non, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais si ma mémoire est bonne, vous et votre copine là, un sens aigu de la moquerie. Ah, mais c'est-à-dire que... Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, Marcello, bonjour, madame. Oui, bien sûr, bonjour, madame. Oui, oui. Ne pensez pas que je puisse être un empêchement à quoi que ce soit. Enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais si vous voulez être tranquille tous les deux, je peux aller fumer une cigarette dehors. Ah non, non, mais monsieur n'est pas du tout mon style d'homme, vraiment pas. Et puis, dans mon... comment dirais-je? Dans mon métier, je peux pas. Ah non, je peux vraiment pas. Oui, c'est bien dommage, madame. Le monsieur, enfin, je devrais plutôt dire le clown, pense que nous sommes amants. Oui, ben ça va, j'ai bien compris, je suis quand même pas idiot. Hein. Monsieur, c'est ce qu'il y a donc, il
a sans doute des problèmes lombaires lui aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais le réparer vite et très vite s'il continue comme ça. Qu'est-ce que vous appelez le réparer? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait kiné. Donc je connais bien les douleurs des lombaires des hommes qui souffrent. Ouais, et puis j'aime bien ça. Hein. Pour moi, il y avait une possibilité. Ben, bien sûr, Al Capone. Je peux tout, enfin, faut voir. Quoi? Enfin, vous n'avez quand même pas vous occuper de ce vieux truc tout mou? On m'interdit de faire des préférences. Ah bon? Quant à ce vieux truc tout mou, là, je ne sais pas celui que vous pensez, monsieur. Oh, mais excusez-moi, monsieur, mais mes paroles ont dépassé ma pensée. Hein. Oh, mais vous n'allez quand même pas vous en guirlander. Bon, veuillez m'excuser, là. J'ai oublié mon attaché de caisse dans la voiture. J'en ai pour 2 minutes, je suis garé juste à l'entrée de l'auberge. Oui. Je voulais... C'est-à-dire que... Oh, bah... Ah, oh, mais je vous écoute... Oh, bah... Ah ben oui, vous êtes de nouveau coincé, Joe. Oh, oui, oui, je crois bien, oui. Bon, madame, dans ma chambre que je vous décoince tout ça. Allez. Ah oh, oui. Allez. On fait quoi de l'histoire? Souffre de martyr, ma mère, et ça ne serait pas charitable de... Ah ben oui, 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 ah, vous comprenez bien la mère, hein. Oui. Ça, pour comprendre, je comprends, hein. Il n'y a pas de problème. Ma mère, donc, attention, il y a Ludwig qui essaye encore de nous faire son cinéma. Oh, vous faites bien de me le dire, sans Patsy, je vais me méfier. Oui, il a essayé de me la jouer à l'envers tout à l'heure, mais j'ai fait comme si je ne l'avais pas reconnu, et ça l'a perturbé à fond. Oui, bah allez vite, vite, j'ai mal, moi, allez, 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 oh. Mon Dieu, mon Dieu, il n'y a jamais personne dans cette boutique, hein. Et moi, je me trouve du beurre. Oui, ben moi, j'ai autre chose à faire, hein. Oui, alors, 315, c'est bon. Oh, c'était toi, ma Justine. Oh, je n'avais pas fait attention, tu sais, j'ai tellement de travail. On se revoit dans une heure comme prévu, là, Jean-Pierre. Oui, oui, à tout à l'heure, mon cœur. Oh, comme c'est bon parfois la vie. Dieu pardonne, je suis si troublée. Ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Oh, joli brin de bois. Mais tu étais là? Bah oui. C'est vieux cette chanson. Oh, je suis un peu troublée. Toujours ce Jean-Pierre? Oh, bon, on a beau être bonne sœur, on n'en est pas moins femme. Mais tu étais où depuis tout à l'heure? Oh, ben, il y avait Ludwig là qui essayait de jouer son coup de bluff en se faisant croire qu'il était quelqu'un d'autre. Oh. Mais il est revenu depuis. Oui, j'étais avec Patsy. On s'est mariés comme des novices. On était pliés de rire en deux. Tout à l'heure, quand je suis descendue, je redonnais une chanson de Pierre Perret. Il y avait quelqu'un à l'accueil. C'était lui? Bah oui, sans doute. Personne d'autre n'est venu, je crois. Tu imagines si c'était vraiment l'archevêque qui se pointait et nous voyait dans notre nouvelle tenue? Oh ben moi je m'en fous, hein. Je crois qu'il ne nous a jamais vus. Donc il ne peut pas nous reconnaître. De toute façon, c'est le clown de Ludwig qui fait l'imbécile. Je l'ai reconnu, hein. Oh, c'est quand même une drôle d'auberge ici, hein. Oui, enfin, tu dis ça, mais je te rappelle que tu as retrouvé ton ancien petit copain d'école. Au fait, tu sais pourquoi elle s'appelle l'auberge du caramel, mais non pas du Carmel? Ah non, à part la mère supérieure qui y croit toujours. Eh ben, au fait, Pépito m'a raconté que c'est tout bête. Lorsque son patron a voulu l'acheter cette auberge et qu'il l'a visitée pour la toute première fois, eh ben, il y avait une boîte de caramel de tomber juste à l'entrée. Et il a pris ça comme un signe, voilà. Mais c'est tout con, en fait. Oui, et ce sont des caramels Bisini. Les meilleurs du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme blague à Ludwig pour qu'il arrête de nous prendre pour des idiotes? Eh bien, on va l'attacher sur une chaise, on va le mettre en maillot de bain et on va barbouiller de confiture de fraises. Mais non, on va être partout. Ah ben quoi, alors? On va l'attacher à une chaise. Et on va lui chatouiller le bout des pieds jusqu'à ce qu'il avoue. Oh, ça pourrait être marrant. Mais j'imagine la tronche de la mère Nathalène si elle voyait ça. Si tu crois pas, allez, tape ta gueule à la récré. Ah bah dis donc, t'aurais bien dû faire la starap, toi. J'avais fait un casting une fois, mais ils se sont arrêtés juste à la personne avant moi. C'est une blague. Non, ils ont préféré prendre une nulasse plutôt que moi. Une nulasse qui a fait la starap? C'était un nom breton du genre Nolwenn quelque chose. Ah oui, quand même, bienvenue que toi. Non mais
si vite, pas si vite. Chose que j'étais absolument à récupérer. Hein. Ah. Ouais. elle est drôle, votre sympathie. Hein. C'est vrai que c'est pas la plus triste. Oh, bah oui. Quand je pense que. Alors, j'étais coincé, hein, maintenant, regardez. Oh, bah, bon. Alors, t'es coincé? Tu vas voir ça si je suis coincé. J'habille mes habits de fret et en plus, j'ai un peu malade. J'ai très très chaud. Vous n'avez pas dit que son frère qui était archevêque, Ludwig, avait un grain de beauté dans le cou et c'est ce qui les différenciait? Bah c'est, si, si, c'est sûr. Pourquoi? Oh là. Je crois qu'on va avoir un petit problème. Regarde bien dans le cou de ce monsieur qu'on a pris pour Ludwig. Il a un énorme grain de beauté dans le cou. Non. Si. Je peux vous aider, mesdames? Je crois que votre col est mal repositionné. Je vais vous remettre. Alors, t'as raison, on est dans la merde. Va vite te dire qui tu sais. Mais qui ça? La petite grosse, t'as une grosse robe en l'air. On a un big problème. Quoi? Tu comprends mieux maintenant? Je vais aller prévenir Marcello. Ah, et moi je vais aller voir dans les chambres. Oh. Alors mon cœur, tout va bien. Monsieur, je vous parle de quelque chose de grave. Suivez-moi donc. Je vois ce qui se passe, je vais aller bouger. Il n'y a personne ici à l'accueil. On me fait prévenir que Monseigneur l'archevêque est arrivé. C'est vous, Monseigneur? Ils se sont rendus compte. Oui. Ça va bien. Voilà.
Eh bien, en fait, ils se sont aperçus que l'ancien propriétaire, oui, il faisait du trafic avec la mafia. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La mafia ici. Eh oui. Et Ludwig, tu vois qui c'est Ludwig? Mais oui. Eh bien, il vient souvent ici. Eh bien, oui. En fait, a priori, eh bien, c'est le chef de bande. Mais tu te rends compte que son frère qui vient ici? Mais oui. Il Ludwig, il m'en avait parlé déjà. Oui. Mais moi, je pouvais pas savoir, moi. Oui, alors moi. Oui. Sœur Dominga. Oui. Oui, ben, Sœur Dominga, elle m'a confié. C'est vrai. Que Ludwig. Oh, là. Bon, alors, oui. Je disais donc, Ludwig a expliqué à Dominga, oui. qu'il l'a dit à moi, après, oui. qu'il se savait surveiller par la police, oui. et qu'on attendait pour le prendre la main dans le sac. Mais il ne sait pas quand. Voilà, et oui. ça peut être n'importe qui, même une bonne sœur, même une bonne sœur. Alors il est hyper méfiant. Mais je comprends. Hyper, oui. Je comprends pourquoi lui, il ne voulait pas s'immiscer dans mes affaires, alors que je sais qu'il trafique. Oui. Oui, alors là, justement, patron, il faut que je dise ce que c'est qui est ton service. Pourquoi? Oui, je vais changer complètement de vie. Plutôt, si. Mais tu te plais plus ici. Mais si, si, mais bon, il m'est arrivé un truc tellement extraordinaire que je peux même pas le révéler. Voilà. Non. Oui, alors je ne me vais pas faire. En fait, je vais prendre Je pars avec une femme, voilà. Avec une femme. Bon, je vais voir en cuisine, moi, si tout se passe bien. Quelqu'un ici. Ah, hello. C'est une vraie mode de ne pas avoir de monde à l'accueil. Dépêchez-vous de me répondre parce que mon appareil auditif va se remettre à déconner. Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes du personnel de l'auberge? Non, mais un petit peu, oui. Mais vous êtes déjà venu tout à l'heure pour noter une adresse au dos de votre carte. Je suis venue tellement de fois que je ne m'en souviens même plus. Et vous, vous faites quoi ici alors? Je vous trouve bien un peu curieuse, vous d'abord. Et puis qui êtes-vous? Mais non, je vous jure, j'ai pas de poupe. Je crois qu'on est tombé sur une sourdingue, mais je comprends pourquoi elle marmonnait du coup tout à l'heure. Mais non, regarde. Elle traficote son appareil auditif. Il doit déconner. Donc elle ne comprend plus rien, la vieille. Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre? Est-ce que tu crois que la mère supérieure a réussi à éloigner l'archevêque de cette auberge pour qu'il ne nous voie pas? De toute façon, il nous a tellement vu de fois que s'il nous avait reconnus, oh bon, il aurait fait un malaise cardiaque sur place. Il serait mort, tu crois? Oui, je crois. Et puis, oui. On lui aurait fait une remise commerciale sous près d'Avès, comme on le connaît bien. Vous faites des remises commerciales? Oui, bien sûr, sur les messes et les prières, 25% de remise en cas de suicide collectif, sur les messes et les prières les 6 premiers mois. Mais c'est pas des conneries comme ça, toi. Si elle nous avait entendu, la sourdingue, on aurait l'air de toi. Pas de chance, la sourdingue, elle a tout compris, mon appareil refonctionne. Merci. Ah, oh, bah ça alors. Mais j'en ai marre de stresser, j'en ai marre de ce job de con. Surtout qu'en allant valider mon ticket tout à l'heure, j'ai appris que j'avais gagné sur mon ancien ticket d'auto. Et beaucoup? Mais ça ne regarde pas vraiment. Un petit peu quand même. Ça va me permettre de changer ma voiture sans permis. Et combien? 225 000 euros, ça aide, hein? Ouais, mais franchement, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi aussi, j'ai trouvé le bonheur et je vais quitter les ordres. Parce que vous êtes dans les ordres? Ben, au bout de votre tenue, ça ne se voit pas. Oh, ben, ça, alors... Je vais faire la même chose et ouvrir un cabinet médical. Avec Marcelo? Ah ben, il a envie de m'aider. Parce que ça me fait trop d'émotions pour aujourd'hui. Et vous voulez qu'on vous apporte un petit peu d'eau? Non, juste un scotch. Un whisky? Mais non, pas d'alcool, juste un scotch. Un petit morceau de scotch pour recoller mon appareil auditif. Moi, je croyais que vous aviez un petit penchant pour bourbon. Parce que c'est ce que vous buvez au couvent, du bourbon. Mais qu'allez-vous vous imaginer là, franchement? Je comprends pourquoi vous avez envie d'en ressortir. À la rigueur, une petite boire, mais pas plus. Ce
coup-ci, il est vraiment temps que j'aille prendre l'air. Oh, je sais pas pourquoi, moi, mais j'avais un drôle de pressentiment avant de venir ici, hein. Eh ben, moi, je l'avais dit à la mère supérieure que c'était pas une bonne idée de nous envoyer en vacances. Oui, mais fallait bien que les travaux se passent à la congrégation. On nous prend pour pas décoller dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. Les foules sentimentales, attirées par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. J'ai dû vous dire que l'archevêque avait disparu. Il a kidnappé la mère supérieure. Non, ça va lui faire tout drôle à la mère supérieure. Mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais choisi son frère jumeau. Il avait quand même beaucoup plus de place. Hein. Enfin bon, que Dieu les bénisse. Moi, en attendant, je vais pouvoir retourner à la congrégation et redevenir sérieuse. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, ce petit moment de liberté. Je crois que j'en avais vraiment besoin. Thank you.
l'immense plaisir de jouer devant vous ce soir est de Jean-Luc Péker. Marie-France. Aux crêpes, et sans eux on n'est rien, alors on peut les applaudir aussi très fort.